such a cookie, but I'm a rookie, and I got you round and round in my brain. I need some moonlight and the tune to get us dancing again. It's looking vicious, it's so delicious, and the kind of girl to drive me insane. I need some moonlight and the time to find the line to explain. Well, I could tell you were a calendar girl the very moment we met. The kind of set. Bienvenue chez nous, Clément. Je te montre. Ici, nous sommes dans l'entre-deux-mer. Là, c'est Sauveterre. Sympa pour les créments. Génissac. Espier pour le bio. Et ici, Blasimont pour les vins élevés en fût. Et pour les rouges, c'est réparti sur les 5 sites. Et là, c'est UG Bordeaux qui commercialise tous nos vins à travers le monde entier avec nos partenaires, clients, négociants et terres de vignerons. C'est OK? Qualités différentes issues de 2200 parcelles tracées. Alors, je commence par quoi? Il faut être mathématicien, prévisionniste, né du vin, flash Gordon, être exigeant, voire même endurant. We are a union of cooperatives and we represent over 300 wine growers. They combine know-how and character. And yes, they follow their wine. And me too. Everywhere. Never alone. Bon, les gars, aujourd'hui, je pense qu'il faut donner de l'âme à notre travail pour que les gens comprennent bien ce que nous faisons. On peut imaginer le vendange un peu comme un braquage de banque, mais à ciel ouvert. Oui, mais c'est chez nous. Hey, Mr. Pink, c'est juste une métaphore. Et imagine qu'il y a juste un gros magot à récupérer, il y a juste à se blesser pour le cueillir. Là, ça a du sens, non? D'accord, mais pourquoi tu l'appelles Mr. Pink? Parce que t'es de Génissac. Et Mr. Pink, c'est Génissac. Ou Mr. Terré, si tu préfères. Alors moi, je suis Mr. White, le sauveteur. Et moi, Mr. Biobesky. Là, il y en a qui suit. Hein. Mais qui est Mr. Rien? On est tous Mr. Rien. Qu'est-ce qu'on fait du magot une fois récolté? On transforme. On le clarifie, on le vinifie, on le bonifie. Il y a les outils pour ça. Il y a les chez Hightech, les ingénieurs, on a tout ce qu'il faut. Par contre, ensuite, c'est UG Bordeaux qui prend le relais avec tous ses partenaires.
ils valorisent le butin et ils vendent le tout avec de sacrées belles histoires à la clé. Ouais. Et si on crée une marque Hold Up et on envahit le marché américain? Alors en attendant, fais péter tes lingots. Cultivant 4000 hectares de vignes au cœur du Bordelais. En 10 ans, UG Bordeaux s'est révélé comme une union naturelle et leader, tant par son audace, son ouverture et sa générosité, que par sa capacité à faire résonner ses battements dans le monde entier. L'UG est une union de caves coopératives, discrète, efficace et visionnaire, et donc intelligente. Est-ce que tu vas dire quelque chose ce soir? Je préfère danser.